de la vie. Le travail, toujours le travail. Le travail, moteur de la vie. Le travail, toujours. De la même manière, elle se fait arranger les cheveux par sa grande sœur qui lui a ouvert la voie. De la même manière, elle arrange aussi pour les autres. Cette jeune fille, ancienne hôtesse d'accueil, au sourire de rêve et aux fossettes amicales, c'est Jessie Zambila, coiffeuse et confectionneuse des perruques. Son travail, elle le fait chez elle, à la maison. Elle peut se déplacer et s'expose aussi en ligne sous le compte de Regina MB Coiffure sur Facebook. Jessie Zambila a eu le déclic sur son métier alors qu'elle venait de dépenser la somptueuse somme de 40 000 francs CFA pour une coupe à la perruque. Bonjour, je m'appelle Jessie Zambila, je suis une coiffeuse et je confectionne des perruques. Alors tout d'abord, cette idée m'est venue parce qu'une fois, je suis allée au salon de coiffure, j'ai à payer 40 000 pour une coiffure que j'étais capable de faire alors. Et du coup, ça m'a vraiment bouleversée. Et même mes tantes, mes oncles, ils ont eu à parler de ça. Mais Jessie, qu'est-ce que tu as fait? Tu as dépensé 40 000 pour faire juste une coiffure. Et puis, c'est tellement simple que normalement, ça ne devait pas être à ce prix-là. Et donc, du coup, je suis restée à la maison. J'ai fait 4 jours avec ces tresses-là. Je les ai enlevées. Et après, je les ai remis sur ma tête, mais en le faisant toute seule. Et j'ai remarqué que ce que j'avais fait, c'était beaucoup mieux que ce qu'on m'avait fait au salon de coiffure. Donc du coup, après, j'ai lancé cette idée de vouloir en faire plus. Et du coup, j'ai lancé une page aussi, où c'est écrit Regina MB Coiffure, où je tresse, je fais des nattes libres, il y a des écailles aussi, et je fabrique des perruques aussi, avec closure, et je les pose aussi. Tout d'abord, c'est venu de ma grande sœur, qui a fait une formation à Kinshasa. Et je pense qu'à cette époque, j'avais 14 ans ou 15 ans. Elle m'appelait pour finir les bouts et c'est ce que je faisais. Je venais, je finissais les bouts, je faisais des nattes, etc., etc. Et après, elle a eu confiance en moi. Un jour, elle m'a laissé faire toute une tête. Et voilà, il y a des jours où elle ne voulait pas faire les tresses. Elle m'appelait, ah, mais Jessie, viens faire et tout. Bon, voilà, j'avais un petit quelque chose aussi. Donc, bon, c'était moyennant mon âge aussi. Donc, voilà, c'est un peu ça. Au bout de quelques années, je l'ai aidée à faire des tresses, des nattes libres. Et après, j'ai trouvé un autre boulot, voilà. J'ai travaillé à l'hôtel Marina en tant qu'hôtesse d'accueil et en tant que serveuse. J'ai fait les deux en même temps. Et après, j'ai fait une petite formation aussi à la brasserie. Et après, j'ai travaillé chez Eker et Western Union aussi. Du coup, c'est arrivé l'histoire des 40 000 pour les cheveux. L'histoire qui a rendu fou tout le monde, toute ma famille. J'y suis allée, j'ai fait des cheveux, j'ai dû payer cher. Et c'était vraiment rien du tout. C'était vraiment pas joli. Les gens n'appréciais pas vraiment, j'avais des douleurs sur la tête et tout. J'ai dû défaire après 4 jours, après avoir payé 40 000. Alors là, c'était vraiment compliqué. Mes parents étaient vraiment foudrages parce que c'était vraiment des dépenses inutiles. Et après, j'ai essayé de refaire la même coiffure sur ma tête, je l'ai réussi. Et du coup, j'ai commencé à faire de temps en temps sur ma tête des tissages, des perruques, je le fais toute seule. Et de temps en temps, je tresse mes cousines. Quand je peux, il y a des amis qui viennent aussi, ah mais Jessie, tresse-nous et tout, etc., etc. Et c'est où m'est venue l'idée de lancer cette page-là de Regina MB Coiffure. Cette idée m'est arrivée en regardant des vidéos des filles qui sont aux États-Unis. J'ai vu qu'elles avaient souvent des cheveux qui avaient vraiment l'air d'être les leurs. Et après, je me suis posé des questions, mais pourquoi pas le faire? J'ai essayé de demander, de voir sur les pages. Ce truc-là, ça se vend très cher, le lace frontal. Et bon, que d'autres appellent closure aussi, évidemment, ça se vend vraiment cher. Et du coup, je suis tombée sur une jeune dame béninoise qui m'en vend à un prix vraiment favorable. J'ai commencé à acheter chez elle, j'ai commencé à épiler. Je pense que j'en ai utilisé 2 pour vraiment avoir la maîtrise sur ce truc-là. Parce qu'il faut d'abord l'épiler, il faut faire beaucoup de choses pour que ça fasse l'effet naturel. Donc du coup, j'ai fait l'achat de ces trucs, closure qu'on appelle aussi lace frontal et tout. J'ai commencé à confectionner la perruque par rapport à la vidéo que j'ai eu à voir sur YouTube et Instagram. La première perruque que j'ai faite, c'était la mienne. La deuxième, je pense que c'est ma mère qui m'a contactée depuis Paris. Elle m'a dit, ah, mais Jessie, j'ai vu que tu faisais des perruques et tout. Je veux vraiment que tu m'en fasses aussi. J'ai dit, d'accord, maman. Elle m'a envoyé l'argent et je lui ai fait 2 perruques avec lace frontal. Le premier, j'ai fait avec le LAS 180. Le second, j'ai fait avec le LAS 360. Donc du coup, ça m'a donné plus de courage
plus d'envie de le faire et d'essayer de gagner ma vie par mes forces à moi. Alors, pour la confection de la perruque, ça dépend. Il y a des clientes qui me laissent des tissages et closures pour les confectionner et les remettre après deux jours, après une journée. Il y a d'autres qui viennent aussi en urgence et je le fais tout de suite pour une heure, deux heures, ça dépend en fait de l'urgence de la personne. Si je suis disponible, je pense qu'en une heure trente, je finis de confectionner une perruque et je prends le soin aussi de les nettoyer, de faire en sorte que ce soit bien propre et très beau à voir. Comme difficulté, je pense que c'est le matériel parce qu'il y a beaucoup de choses que je n'arrive pas à trouver ici et je pense qu'il faudrait juste commander et c'est vraiment pas facile. Et rien que même le bonnet avec lequel je confectionne les perruques, pour l'avoir aussi, c'est très difficile et ça a un prix très élevé. Voilà. Sinon, il n'y a pas vraiment de difficulté que... Parce que jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas encore reçu de plainte de venant de mes clientes me disant que voilà, la perruque que tu as confectionnée ne me va pas ou ceci, cela. Non, j'ai pas encore eu de retour comme ça, de retour négatif. Donc du coup, je ne saurais pas vraiment quoi dire sur cette question. Pour le moment, je n'ai pas d'atelier. Pour tout ce qui concerne la confection des perruques, je le fais à la maison chez moi. Et quand il s'agit de faire des tresses, bon, il y a celles qui viennent aussi à la maison, mais il y a d'autres qui me demandent d'aller vers eux pour le faire. Et je ne fais pas payer mon transport. Du coup, c'est inclus dans la facture de la tresse. Comme conseil, j'aimerais dire aux jeunes Congolais de ne pas utiliser Internet que pour des futilités parce que Internet m'a vraiment beaucoup aidée parce que c'est là où j'ai vraiment appris le reste des choses. C'est vrai que j'ai appris à faire des nattes, des tresses avec l'aide de ma grande sœur et le fait d'avoir dépensé très cher dans un salon de coiffure, ça a fait à ce que j'essaie d'utiliser ma tête à moi. Mais par contre, Internet m'a beaucoup aidée. Internet a fait à ce que j'ai plus de connaissances encore que j'avais. Alors, je demanderai à tous les jeunes de ne pas vraiment se foutre de cette chose-là qui est vraiment très importante. Alors aujourd'hui, je remarque que les gens utilisent Internet que pour YouTube, pour regarder des vidéos drôles, pour regarder des vidéos qui n'en valent vraiment pas la peine. Alors moi, je vous invite à regarder des choses qui pourront vous instruire un jour pour être votre propre chef parce que travailler pour quelqu'un, c'est vraiment très difficile. On subit des humiliations, on subit beaucoup de choses. Et c'est très difficile. Alors je préfère que vous preniez votre temps d'aller apprendre. Et je pense que ça va vraiment vous servir.